Dans la page cinéma, on vous fait découvrir Le Prénom, un film signé Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui. Dans cette comédie, Patrick Bruel incarne le rôle de Vincent, un homme qui va devenir père pour la première fois. Avec sa femme, ils ont choisi un prénom qui ne va pas plaire à tout le monde et qui va même semer la zizanie autour d'eux. Charlotte Notgame a rencontré pour nous les deux réalisateurs. Que vous donniez à votre enfant un prénom original ou pas, de toute façon, ça pose. Il y a toujours débat. Parce que quand vous avez un enfant, vous êtes obligé de lui choisir un prénom. Vous ne pouvez pas dire, dans le but de garder l'harmonie familiale, je ne vais pas donner de prénom cette année à mon enfant. Vous êtes obligé. Donc soit vous lui donnez le prénom qui s'inscrit dans l'histoire familiale, soit vous donnez un prénom classique. Mais dans ces cas-là, les gens vont vous dire, ah, c'est marrant que tu aies choisi ce prénom. Parce que soit vous choisissez un prénom plus original et on va vous dire, ah, c'est de quelle origine? Ah, c'est marrant que tu aies choisi ça. Bon, il y a toujours une remarque. Et ce qui est fascinant avec le prénom, c'est que c'est un truc extrêmement intime et tout le monde a un avis. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tous dire. Ça vous a pas plu alors? C'est complètement folle, ma pauvre fille! J'ai pas de cours de prénoms à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un Paulin et Myrtille! Stop! Stop! Hello, my darling. T'es content, toi? Ben voilà ce qui se passe quand on choisit un prénom pareil. Arrête! Pierre, maintenant, stop! Hello, my darling. Oui, je suis Vitercet, oui. J'ai plein entre les mains, il ne reste plus de miettes.